Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendez de nous pour regarder vidéo ça. Je dis à nous même info total nous décider présenter une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, je dis à nous décider présenter nous pour parler de Jean-Claude Van Damme qui c'est un acteur qui gagne grand renommée internationale. Voyons ici Jean-Claude Camille François Van Weinberg, acteur fait le 18 octobre 1960 dans le pays Belgique. Van Damme c'était un adolescent timide et qui déparait qu'il pas de quoi dans tête lui. Mon jeune âge lui, Van Damme était intéressé à la musique à peinture. Sous pression par un livre, Van Damme orienté dans le karaté dans l'âge 11 ans seulement. 5 ans plus tard, pour être capable de consacrer lui dans la discipline. Ça. À 17 ans, Van Damme a décidé de faire stage pour être capable de perfectionner lui dans le karaté. Une année après, côté le Tirol, il a 25 ans. Malheureusement, il n'a pas gagné aucun titre dans le karaté. En 1982, avec 2000 dollars qu'il a gagné seulement dans la poche, Van Damme a décidé de quitter le pays, la Belgique, pour te rendre dans le pays, les États-Unis, plus précisément dans la cour Los Angeles. Direction des États-Unis, plus précisément dans la cour Los Angeles, côté Jean-Claude Van Damme, il était gagné un seul rêve pour être capable de jouer dans un film Hollywood. Rentrer dans le pays États-Unis, pas un bagage facile pour Jean-Claude Van Damme, côté Terrell, la ville était retournée à zéro. Pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis, Jean-Claude Van Damme était obligé de commencer à faire chauffer taxi, livrer pizza et côté le professeur de danse. En 1984, après qu'il ait fini de participer à un film qui est le We Barbad et Monaco Forever, il était carrément décollé tout bon. Après un passage impressionnant, la performance était attirée l'attention de Menahem Golan qui est un producteur. Après l'entretien à producteur ça, il était engagé pour jouer Méchant Wiss de Karate Tiger en 1985 à 88, définitivement car il était lancé. Il était continué à lancer un pile film comme Kickboxer, Cyborg, Full Contact et Dome Impact. Après tout succès, il était nommé Van Damme de Moses Fom Bruxelles. C'est alors qu'il réalisait rêve américain lien quand il était devenu une star mondiale. Côté vie privée, Jean-Claude Van Damme, c'est papa trois petites, deux petits garçons et une petite fille. Deux petits garçons, Jean-Claude Van Damme, une relée Christopher, une relée Nicolas. Et petite fille, Jean-Claude Van Damme, elle est même une relée Bianca.